Yo tout le monde, on est... Merde, j'ai fait tomber la manette. Oula. On est reparti donc pour 4 quests, l'épisode 4. L'épisode 4, lol, MDR. C'est lundi matin, 4 septembre. Rentrée des classes, je suis chaud, plein d'humour, n'est-ce pas? Du coup, là, épisode 4 sur 4 quests. Je sais pas trop où je m'étais arrêté. Voilà, fallait... Ah, ici, il fallait tout au nord, là. Je sais pas pourquoi, là, pendant le week-end, j'ai pas été... J'étais pas là, on va dire. Oula. Et du coup, on va se remettre un peu dans le bain. Et continuer la quête principale. Et puis bah voilà, alors je sais pas, toujours je vais faire, enfin, si, toujours je vais faire une session et... Oh. Oui je disais, donc vous allez faire une session de jeu comme la dernière fois, et bah je verrai bien après où est-ce que ça m'emmène, si j'en ferai d'autres ou pas, puisque là moi je vais reprendre le travail dans pas longtemps, donc j'aurai moins de temps. Et du coup, bah voilà, peut-être moins de temps pour jouer, faire des vidéos, etc. Enfin, bref, je ne sais pas. Pour l'instant, on n'y est pas. Alors, là, il a l'air d'avoir beaucoup d'ennemis, c'est un peu dangereux. Oh, ils sont balèzes en vrai. Hein. Je sais pas si j'ai vraiment le niveau. Hein. Voilà, ceux qui sont nombreux, quoi. Ok, on va fuir. Des ruines des vieux maîtres. Les légendes disent que les vieux maîtres ont créé ce monde, mais ce ne sont que des contes de fées. Donc là, ces monstres, là, ces mobs, ils sont assez costauds, ils sont assez chiants, donc bon, ouais, pas trop l'idée de les combattre. Si nous trouvons des monstres, nous devons les exterminer. Ouais, j'ai compris que toi, t'étais vraiment. Quand même quelqu'un d'assez dingue dans la tête. À ce moment que t'as ça sur l'intérieur. Je sais pas comment ça s'appelle, là, celle petite fée qui m'accompagne, mais elle est en mode ouais, exterminer tous les monstres et tout, pas de pitié, pas de quartier, John Rambo, c'est pas ma guerre, tout ça. Allez, déterre. Wow, wow, wow! Oh purée. Faut que je récupère de la mana là. Enfin de la vie surtout. Pour affronter lui là parce que. Ouh, il est chaud. C'est mal. Il fait très très mal. Voilà, il est mort. Plein d'XP et un coffre. Qu'est-ce que c'est? Un bâton d'arcane, je m'en fous. Mais vous savez pas à quel point. Vous n'imaginez pas. À quel point je m'en bats les couilles. Ouh, max XP. Blablabla. Oh, c'est grave. Oula, on se calme là, les gars. Là. Vite. Il va falloir faire gaffe. Parce qu'il fait mal. Ça va, il est seul, il est un petit peu plus faible que ceux qui sont dans les plaines interdites. Et boum, complété. Ah, ta sœur n'est pas là. Sortons d'ici, voyons si on peut trouver une autre piste. Ah putain, ça pour rien. Enfin, sauf pour l'XP, bien sûr. Et là, il faut une clé de merde. Est-ce qu'il y avait un truc en bas? J'ai pas bien fait gaffe. Et non. Et là. Si, un coffre. C'est dommage de passer à côté de ça. Un casque. Qui a l'air intéressant. Ça a l'air intéressant. Il me fait perdre un petit peu de mana, mais plus de... allez, on va le prendre. On va le prendre. Est-ce que tu sens ça? Ah, c'est pas moi qui ai pété. Hein. Patte de Dieu, on est où? Oula. Drac au sang détecté, entrée 2201 en go. Oula. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis Aelius. Les autres m'ont dit que je devrais enregistrer mes découvertes, alors me voilà. What? Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Cela a pris du temps, mais j'ai réussi à insuffler de magie draconique à des chats. Oh là. J'ai décidé d'appeler mes créations les Dracosang. C'est le créateur! Qu'est-ce qui vient de se passer? Sortons d'ici d'abord. Ok. C'est Dracoff! Yo, c'est fart. Retente l'insolence et ta sœur en paiera le prix. Et attends, qui est Helios? Patin! Putain, c'est genre. C'est pas putain, tu vois, mais c'est. En mode mignon. Je pense que nous devrions juste faire ce qu'il dit pour l'instant. Ok, niveau plus. Et donc, le dragon suivant se trouve sur Law. Eh bien, j'en ai aucune idée, mais je suis sûr qu'une tour de garde pourrait aider. Ah oui, j'avais été dans l'épisode précédent. Bon, allez, on va aller par là. Enfin, Cocon peut aller sur Law. Alors, attendez, on va faire gaffe. Parce que eux. Voilà, là, ils ont une sorte de crâne rouge. Je pense que ça veut dire qu'on n'est pas le niveau pour les affronter. Non, je pense que c'est par là. On explore un petit peu la carte en même temps. Eux, ils ont l'air. Costaud. Mais négociable. Ligne de la vie, on dirait. C'est un genre où ils sont peut-être immunisés aux attaques électriques. Du coup. Enfin. Et voilà. Hop, là-bas, il y a une sorte de monument. Bon, il y a plein de biomes différents. Bon, ça, on s'en bat les reins. Hein. Hop. Salut. C'est le dragon sang, n'est-ce pas? C'est ça. Et tous les dragons... Non, mais c'est pas toi le dragon sang, c'est moi. Oh, la fée a parlé à ma place, en fait. Et tous les dragons périssent sur mon chemin. J'en ai vu un, mais tu devras marcher sur Law pour l'atteindre. Laisse-moi le marquer sur ta carte. Ok. Plus d'XP. Tac. Allez, on va pioncer un coup. Hop. Je les gère bien maintenant. Non, on va faire la quête principale, on va essayer d'avancer un maximum. Parce que là, comme je disais, après, je n'aurai peut-être pas trop l'occasion d'en faire des sessions de jeu dessus. Donc, j'essaie de bourrer un peu la quête principale là, sauf si bien sûr il faut que je gagne des niveaux pour avancer, mais. Eh merde, je suis mort! Putain, j'ai pas fait gaffe. Je veux dire, j'ai pas fait exprès, mais non plus, j'ai pas fait exprès, bon. J'aurais pu faire un peu plus gaffe. Ce n'est pas grave. Je suis allé un petit peu trop avec la confiance, tu vois. Ouah, il reste l'XP que j'avais pas amassé. Roulade, esquive, boum! Du coup, eux, est-ce qu'ils sont toujours trop forts pour moi? Ah, ils ont l'air costauds. J'ai envie de me faire le défi quand même, mais c'est dangereux. Fasse gaffe quoi. Bon, j'ai pris un méchant coup. Oh purée la vache! Pardon, bon ok, j'arrête les conneries. Je trace. Sinon ça va pas le faire. Tec 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 tec. Bon, lui il me charge de noix, c'est pas ma faute, c'est lui qui veut la merde. Bon, je peux les gérer plus facilement déjà. Tac. Oh, on se calme! Non, je vais me fâcher, hein. Oh, le dragon il est là. À mon avis, je vais pas avoir assez de. Niveau. Ah, purée, bah, du coup, je pense que je vais devoir pexer du niveau hein, pour pouvoir le battre celui-là.
On va voir. Je peux pas marcher sur l'eau. Bam. Oui. Il me semble avoir vu un truc là. Alors faut que je vais. Ah non, c'était là, de l'autre côté, merde. Faut que je demande à une tour de garde. Je me souviens plus très bien. Là, il y a une tour de garde là-haut, on va lui demander. Mais c'est pas dit qu'il donne beaucoup d'infos, on va dire. C'est des gardes après tout, hein. Merde. Ah! Pas de ville. Bah, je suis passé devant, je crois. Tic, tic, tic. Non, c'est pas ça. Pas de vie, putain, c'est de l'autre côté, le con. Pardon. Eh ben, je vais avoir fait le tour, hein. J'ai envie de faire une petite grotte aussi. Hein. À mon avis, je vais devoir faire, faire des quêtes et puis du coup aller dans les grottes pour augmenter mon niveau, puisque là, c'est, je pense, trop bas pour affronter le dragon. Il y a 3 ou 4 dragons en tout, je crois, à affronter. Hein. Donc, ce qui fait encore quand même pas mal d'heures de jeu. Voilà. Salut! Ok, il fallait parler au gouverneur. Oh putain, faire des quêtes avant lui parler, le mec. Chemin vers la marche aquatique. Bon, parfait, ça va me falloir. Besoin urgent de marcher solo, aide rechercher le gouverneur. Elle était con ou quoi? Vas-y, si, pour un de catch. Disparu? Oui, il y a un énorme monstre aquatique que je veux défoncer, sa mère! Le mec il regarde, ah, putain, je l'ai même pas vu, il avait mode gros baraque et tout, petite moustache, petite toupette. Tous ensemble, ouais. Ok, faut que je retourne dans la quête. Non, faut aller chercher Minet. Pourquoi j'ai deux indicateurs? D'accord. Eh bien, suivons la piste jusqu'à Minet. Facile, facile. Minet, où es-tu? Salut. Et on dirait que la plupart des chats n'arrivent pas à la 9e ces jours-ci. D'accord. Minet était dans les plaines interdites il y a 3 jours, mais il n'est toujours pas revenu. 3 jours, il pourrait tout aussi bien être déjà mort. Putain, ça parle de mort dans ce jeu, quoi. À l'heure actuelle, vite. Je sais pas, moi je me dis que c'est un jeu mignon, tu vois, et ça parle de mort et tout. C'est pas si mignon que ça, en fait. Hein. C'est pas Peggy 12. Hein. Oula, oula, oula. Ah ben voilà. Salut. Reste silencieux. Êtes-vous miné? Bah ouais mon gars. Ok, bah c'est facile. Et bah retournons à Pat Veo. Oh. Hey. Tec tec tec. Lui, il a rien demandé, on va lui faire sa fête. La fusion! J'ai besoin que vous ameniez ces ingrédients au mage, putain, et que vous leur demandiez de les mélanger. Je déteste ces quêtes-là dans les jeux.
Et pourquoi avez-vous besoin de nous pour ça? Bah oui, carrément. Ils détestent miner. C'est comme ça depuis très longtemps. Tout a commencé avec le cristal du phare. Les mages ont créé un prototype de marche aquatique, mais il était incomplet. J'ai étudié leur recette et je peux tout arranger grâce à la science. Ouais, et les mages détestent la science, on a un chat. Quoi, laissez-nous faire. Bon, bah allons-y. Hein. Le niveau de thune, j'ai combien? 692. Bon, on va encore attendre un petit peu avant d'acheter des... soit du stuff, soit des... comment dire, des sorts d'arcane. On va attendre un petit peu, on va essayer de faire tous les monstres là, quoi qu'ils sont un peu trop forts pour nous, visiblement. Donc on va se casser. Ah, là-bas, un monument. Ouais, je me demande aussi, mais je m'en fous. Ouh, c'est un bandit, ça. Un par un. En stealth. Bon, là, j'ai un petit peu tous... attirés, mais... Et ça va, allez. On va faire un petit tour quand même, on va voir s'il y a des nouvelles choses. Oh, 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 la classe! À 50 pièces d'or, ça coûte rien. Oui, je veux. Ça ralentit les ennemis, cool. C'est intéressant stratégiquement parlant. Alors, tac, tac. Bien, RT. Voilà. Et du coup, alors lui, je l'ai niveau combien? C'est pas indiqué. 400, 600, 400. Bon, on va améliorer quand même lui. Juste d'un niveau. Et c'est bien comme ça. Cool. On les a défoncés. Merde, lui, il est trop costaud en fait. Faut faire gaffe. Fuite. Ah. Merde, c'est pas là en fait. J'y étais. Mais on est rentré dedans, il y a même pas deux secondes. Ah, fait juste éliminer les bandits, putain. Ils volent nos trucs pour ces maudits traîtres de magiciens. Bon, vous pouvez nous rendre l'appareil en combinant ces ingrédients pour nous? Ça a l'air bien familier, pourquoi t'avais besoin de ça? C'est un truc pour le Governor. D'accord, alors, voilà ta potion. Et c'est bon, pas me casser les couilles. On va aller se reposer là-haut, là. Yo! Perfect. Je me suis fait défoncer. J'ai de la chance là. Régénérer parce que je me suis pris chamé. Hop. C'est bon, j'ai ta fiole. Four humidable. Ne devrait pas prendre beaucoup de temps pour le finir. Chatnial. Prenez une récompense juteuse aussi. Oh là là. Oh, une hache de Ranger, niveau 14. Balèze. Alors, est-ce qu'on peut l'équiper ou est-ce que c'est déjà le cas? Non, j'ai déjà mon épée. Du coup, est-ce qu'elle est plus... Ah ouais, elle est vachement plus forte. Boum. Niveau 25, bon, on va essayer de faire ça. Je me cache, je vais voir le gouverneur miner. Qu'est-ce qui est arrivé à miner? Putain, il était là il y a deux secondes. Les magiciens traîtres savent tout de la marche aquatique. Ils essaient de l'arrêter pour préserver la pureté de la magie. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir pour... j'ai pas compris. Ils viennent pour miner. On doit protéger ses fesses. Ses jolies petites fesses poilues. Est-ce que c'est le mage traître? Je suis dans le buisson. Yo! Viens voir comment tu vas gérer tout ça. Oula, 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 oula! Bon, c'est que des bandits à la con. Hein. Ah, pour l'instant. Guéris ton poil, partenaire!
tuer, toi. Faut se calmer, hein. Boum! Il ne reste plus que rien. Plus rien. Chaton magicien traître. Ah, j'ai presque plus de mana. Et ils sont nuls, eux. Ce chaton magicien traître s'enfuit. Après lui. Alors d'abord lui. Il m'a insulté, moi et ma famille. C'est la raison légitime pour expliquer pourquoi je le défonce. Vous me pourchassez vraiment? Oui, vraiment. Ça ne vous coûte rien. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. On voulait seulement que le cristal du phare reste pur. Minnie utilise le cristal pour le prototype de la marche aquatique. Le cristal est un objet magique et ne devrait jamais être utilisé pour la fière. Mais... Oust, hors de nos vues. Facho, hors de nos vies. Fichez le camp. D'accord, et du coup on l'a récupéré. Enfin, c'est bon, on est tranquille. Enfin, je sais pas, en fait, je suis pas trop ce qu'il faut faire. Moi, je défonce. Je vais aux objectifs, je défonce les ennemis, et puis ben, je rends les quêtes. Et je prends tout le pognon qui va avec. Il faut le laisser reposer un peu pour agir actuellement, je vous informerai. Armure d'écuyer. Est-ce que ça me. Est-ce que ça m'est utile ou non? Ça me baisse ma force d'attaque. Ça augmente quand même bien ma magie. Allez, je vais le mettre. Est-ce qu'il y a autre chose à faire du coup là? Oui. Niveau 27, le miracle. Marchons comme chat Jésus. Nous sommes au port, le gouverneur. Bonne nouvelle, la potion fonctionne. Mais depuis que j'ai utilisé le cristal du phare, elle a besoin d'un chat pour utiliser la magie. Hello. Pff, je vais devoir m'en occuper, c'est ça, hein. Pas grave, je suis sûr que le Dracostan voudrait marcher sur l'eau. Trop génial. Splendide. Reste dans un endroit et prends cette dose. Ok. Tu bois la potion dans le tube à essai. La pipette du bec benzène plutôt, ouais. Tu as débloqué la marche aquatique. Putain, c'est pété. Je suis tellement excité. Ouais, bah tu vas te calmer, hein. Allons l'essayer, allons, allons. Oh! C'est genre infini et tout? Que le Gouv avait un problème avec un monstre des mers qui cassait ses bateaux, et si on retournait la faveur? Ou pas? Du feu sur l'eau, tout va bien. Oh putain. Oh putain, ma bagnole! Ils font mal quand même, hein. Fasse gaffe, hein. Aïe, mais. Il m'a eu! Il m'a eu! C'est pas grave. C'est pas grave. Ah, faut que j'entende voir le. Blablabla. Je sais pas. Je vais juste défoncer un monstre pour voir à quel niveau je suis. Genre, si je passe juste un niveau, ça me fera un petit peu plus de d'expérience et tout, mais. Oui. Voilà, niveau 26. Il vient de demander. Yo. Merde, faut que je vais faire. Hop.
je serai full life quand j'affronte le Stromon. Et voilà, revenons avec les bonnes nouvelles. Gouverneur, votre monstre des mers ne cassera plus jamais vos bateaux. Vous avez fait du bon boulot, on est des amis poissonneux maintenant. Oula, ça veut dire quoi ça? Pensez en récompense, revenez quand vous voulez. La bande de couilles. Niveau 27, parfait, parfait, parfait. Il m'a donné une armure, c'est laquelle? Alors on va voir celle qui me... Oh, ça me fait pas trop ça. Ouais non. Allons poutrer du dragon. Oui mais j'ai un peu peur qu'il soit trop fort pour moi. Ou alors moi j'ai un peu peur qu'il soit trop fort pour moi. Mais alors du coup je pense que je vais m'arrêter pour la première... Enfin la première, non, la quatrième vidéo, le quatrième épisode. C'est vrai que ça fait un petit moment que je joue, je me suis pas trop aperçu parce que je m'amusais, voyez-vous. Donc, épisode 4 terminé ici. Moi, je continue à jouer pour l'épisode 5. Donc, à très vite. Salut !